Eh bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une petite summon session sur Summoners ce War. C'est vrai que bon, je fais pas des tutos, je fais pas des dingueries comme ça. Euh, je laisse faire les jumpé les vous les malins. Euh, mais aujourd'hui, euh, on est deux jours après la mage, je crois, euh, ou une journée après euh, la mise à jour, grosse mise à jour. On avait parlé en live avec chez euh, vous excellent, les artefacts qui sont arrivés, de nouvelles choses. Enfin bref. Hein, vous êtes au courant, arrêtez de m'énerver. Euh, je n'avais pas forcément prévu d'invoquer, mais euh, comme vous pouvez le voir, à force de courage et d'abnégation, et un seul mot, je le répète encore une fois, la volonté, euh, j'ai réussi à stacker un peu de, de cristaux. Euh, et à force de farming, et eh bien, euh, voilà, il y a eu des, des vélins, des events. Que enfin, j'ai tout gardé. Voilà, j'ai tout gardé. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bah, on peut peut-être invoquer, faire une sub bonne session de, de mise à jour. La dernière qu'on a faite, c'était pour les nouveaux mobs, comme vous pouvez le voir, je me suis focalisé sur le feu, j'essaie toujours d'avoir un, un, un peintre master, si je puis me permettre, et on va voir ce que ça va donner, on est avec le chat, le chat qui va, non, je suis en train de dire des trucs, mais je ne vais pas le dire, mais le chat qui va très bien, qui, euh, qui vient de le dire, qui vient de le dire, euh, la volonté, encore une fois, qui, euh, qui fait mouche, euh, si je puis me permettre, et on commence directement cette seconde session avec une étincelle, et ça fait extrêmement plaisir, vraiment, première invocation, étincelle, si je puis me permettre, une lueur d'espoir <laughs> j'adore l'humour euh, on va continuer mais, euh, mais voilà ça commence très très fort comme je l'ai dit un petit nat ça mangerait pas de pain un petit peintre ça mangerait encore moins de pain euh, que de la mie à la limite et ce serait euh, très cool alors bon si on est royal si on arrive à avoir quelque chose sur les Dark and Light mais là vous connaissez ma malédiction euh, on évite d'y penser un peu trop euh, tout simplement pendant cette summon bah, on discute on parle avec le chat mais bah, tiens le chat aussi va me redire mais si vous deviez donner une note sur 10 à cette mise à jour pour l'instant, avec les artefacts, le nouveau, j'appelle ça le World Boss, vous savez, le boss de la crypte, là où je ne sais plus trop quoi, qui met un mois, euh, vous êtes en, en quel niveau de kiff euh, pour l'instant Moi, je suis vraiment en full découverte aujourd'hui, hein. je ne me suis pas spoil, j'ai pas voulu jouer avant le live, euh, juste testé euh, GB12 et je me suis fait arracher. Euh, mais sinon, sinon ouais, euh, à quel niveau sur 10, très honnêtement alors je vois des 10 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10. J'ai vu même des gens qui m'ont dit que ça leur avait donné envie de, de, de reprendre le jeu, qui ont repris le jeu avec cette mage, parce qu'il y a de grosses nouveautés, de gros chamboulements, et c'est vrai que bah, ça c'est toujours cool. Euh, donc ça fait, ça fait plaisir. Globalement, je trouve qu'il y a quand même plus de gens. Et tu sais quoi euh, Ouais, voilà, j'allais dire, euh, fais-moi un sondage. Il est en train de le faire. Alors, on a 8% entre 0 et 2, c'est pas ouf. Euh, 2 et 4... 1%, il y a un mec à voter. Euh... <laughs> on est à 6%, 4 et 6. 6 et 8, on est à 40% pour l'instant. Euh, et 8 et 10, 47%. Donc voilà, la plupart des gens ont été plutôt saucés de cette mise à jour. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Moi, je vous avoue que c'est surtout le côté des artefacts qui m'a qui hypé. Parce que je me suis dit, ça y est, on rajoute une nouvelle fonctionnalité importante qui va... Affecter les compétences des, des mobs, qui va donner des stats supplémentaires, etc. Enfin, c'est vraiment un, un ajout qui est pas dégueulasse euh, en, plus des, euh, en plus des runes, et je trouve ça euh, assez cool. Donc euh, donc voilà, tous les early en 02 C'est dommage parce que moi je trouve, très honnêtement, que c'est un, un ajout qui va même bénéficier aux, aux early, euh, puisque le, le truc de la crypte, là, le, le, le boss, on n'a pas besoin d'avoir des runes de malade, etc. Euh, vu que toutes les stats sont multipliées par 40 milliards. Euh, ça met à peu près tout le monde sur un pied d'égalité et les récompenses sont vraiment pas dégueulasses Donc moi je trouve que c'est une match qui, euh, qui, se met, qui se met bien avec euh, avec tout le monde un petit peu. Euh, on va pas se mentir. Et puis il y a le vrai ajout du CB10, c'est vrai, c'est vrai, maintenant on peut, on peut dire CB10. Et que vous dites CB10 ou euh, CJB10 Le vrai CB10 c'est là <laughs> Je suis Orly et je pense que même euh, que même ça nous aide à rattraper le retard des runes en moins. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve ça plutôt cool en vrai. Par contre, si jamais tu chopes un LD 5 NAT, tu fais quoi Un petit défi Je sais pas, gros. Je vous montre mon Zizi. Non, en vrai, un 5 NAT. Tu sais quoi Un 5 NAT Je pense que je tryhard le, euh, try le RTA en Dark Knight. Je tryhard le RTA en. en J'essaye de faire C1 RTA. Je farm toute ma vie des ruines et tout. Je me fais coacher. C'est une dinguerie. Mais vraiment, euh, vraiment un truc de fou, tu vois. Mais là, je prends pas de risque en disant ça, puisque je, je n'en aurai pas. Donc euh, ça, vous savez. Hein, chaque fois qu'on a fait des plans sur la comète, je, je n'en aurai jamais dans le jeu. Voilà, ça fait, ça fait six ans que je joue au jeu, j'en aurai jamais. D'accord Donc maintenant, tu arrêtes de poser la question, tu m'énerves. <laughs> tu es pénible. J'attends le zizi, je préfère ça. Ouais, bon. Après, le problème, c'est que mon métier s'arrêterait là, quoi. Ça, c'est un petit ban Twitch, je pense. Imagine, tu montes ton zizi en live. C'est pas ouf, en vrai. Pourquoi, pourquoi les gens veulent montrer leur zizi c'est bizarre, à part si c'est leur métier. Tu vois, Manuel Ferrara, je peux comprendre, parce que lui, bon, il lui a un passif. Et puis, c'est son outil de travail, si je puis me permettre. Donc, il est obligé de montrer son zizi. Mais, mais moi, je n'ai pas à faire ça, quand même. Pas choquer les gens, mais, mais quand même. <laughs> Alors. Oh, KBZNUF Non, IBCT. La IBCT hype. Merci à lui. Merci à lui d'être là. Après, je vais pas vous mentir qu'en euh, 5 Nats, euh, très honnêtement, je l'avais déjà expliqué moi, mais Summon, maintenant, je les fais avec moins de pression qu'avant. En fait, j'espère juste récupérer des trucs dans les Dark and Light. Euh, une espérance qui n'arrive jamais. Mais euh, dans le classico Old Madrido, j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour être comblé. Je vais pas vous mentir. Si, j'ai pas de panda, voilà, un Feng Yang euh, me ferait plaisir. Un petit Molong aussi me ferait plaisir. Euh, je trouve ça euh, cool, tu vois. Euh, mais il y a des 5 Nats, j'ai pas... Euh... À part les nouveaux mobs, ouais, je sais pas. J'ai à peu près tout ce que je voulais. Je voulais du je j'ai eu. Je voulais vanessa, je l'ai eu. Je voulais des beast Riders, euh, je l'ai eu. Enfin, euh, sur ça, franchement, je suis absolument pas à plaindre. Ma, ma box est assez ouf en vrai. J'ai amarna et Amduet en ld sympa. Je joue depuis cinq semaines. Putain, ouais, euh, plus que sympa. Moi, j'ai amduhlilé, j'ai je mais j'ai pas euh, amarna. Amarna, j'avoue que ça régalerait. <laughs> amarna, euh, c'est, euh, c'est un frère, c'est même une sœur hein, à ce niveau-là. Euh, c'est un véritable ami. Écoutez, là pour l'instant. Insane, on a fait combien de 1, 2, on a eu trois et quatre étincelles. Quatre étincelles. J'avais combien de vélins Soixante, 60... une soixantaine ou 80, vingts je sais plus. Non, je crois 80. Hein. 80. Quatre-vingts, étincelles. Je sais pas si c'est dingue. Hein. Je suis pas dans les stats. Hein. Je crois que j'ai pas fait les stats, là, les amis. C'est assez dégoûtant. Je vais me foutre en l'air. 84, merci les gars. 84, et je ne sais pas combien il m'en reste là, on va regarder. Mais, euh... mais quelque chose me dit que les stats me pissent au cul là actuellement. En restant très poli, hein, bien sûr. Euh, on verra. Ok, donc 3, 4, parfait. 3, 4, on est là. 11, bon. Euh... Là c'est chiant, là, ouais, là c'est chiant, on peut le dire. Là c'est un peu pénible. 84, et j'ai eu 4 étincelles Ah ouais, c'est peu... Bon, franchement, si j'en ai une cinquième, je dirais, allez, pourquoi pas, et que ça se rasera sur Réveil feu. Mais là, c'est euh... de l'acharnement thérapeutique. Euh... Là, je suis... Mais là, je suis déjà à terre, en gros, euh, frérot. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, lourd. Ah ouais, 84. Imagine, t'es à ma place, d'accord. Parce que moi, je m'en fous un peu, tu vois, je suis en détente, c'est pas grave. J'ai pris un petit pack. Euh... Enfin, j'ai eu un bug. Euh, voilà, mais toi, toi, t'es là. Toi, tu as claqué tes 100 balles dans le pack, tu t'es dit je me fais plaisir, machin, tu fais cette humaine, tu as envie de te lacérer les couilles. Mais, euh... Mais voilà, après, je ne suis pas là pour, euh, pour juger, encore une fois, ma chance. Mais vous comprenez, quand on parle de Dark and Night, etc., que je ne sois pas en mode pomper leup pomper up quoi. Là, c'est abusé un peu. Hein il est où le taux bah, Le taux, euh... Ah, euh... là, gros, le taux, il n'est pas là. Hein là, le, le taux, il est même tard, hein si je puis me permettre de faire un jeu de mots qui est extrêmement drôle. Tout le monde rigole, je sais, chez vous, vous êtes morts de rire. Euh... <rire> c'est énorme. Mais, euh... Mais non. Là, il n'est pas là. J'ai plus de chances d'avoir un taux à 0% euh, pour emprunter un million d'euros à ma banque que celui... Mais frère, c'est pas possible, c'est indécent. Oh non, mais... Très honnêtement, je pense que là, si mon téléphone avait un anus, euh, il me chirait à la gueule tout de suite. Comme ça, on n'en parle plus. Hein. C'est... Euh... Assez ah, violent. Non, mais si. Comme si, je tiens à dire que... Regarde, toujours rien. Je fais la place pour invoquer tous les, tous les vélins de feu. Euh... 4 sur 91, je vous laisse, les, les dieux des stats là, je, je vous laisse, d'accord, sur le chat. Vous allez me dire. Mais euh, <laughs> même pour l'instant... Wow, c'est grave un peu, non Ok, let's go Let's go les gars, let's go Let's go les gars Putain, salut c'est Skyler, let's go Let's go, bro Let's go, bro Putain, Je vais être trop chaud les z euh... Après c'est Clara. Elle reste good, je l'ai pas montée. Je vais pas vous mentir que je vais la garder. Tiens, tiens, tiens. Le Mais Twitch quand même, Prime. C'est pas un sac nat. Hein. À la limite, on, on, enfin, on le compte comme un cat nat. Hein. Merci euh, pour le Twitch Prime. Merci à tous ceux qui sub. Vous êtes vraiment des frères. Merci à tous les subs. Ça permet d'acheter des packs. Et de se faire pisser dessus. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Tiens, 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 le Twitch Prime. Ah, oh, qui merci à toi. Écoutez, euh, je suis un peu fébrile. Ok, 10 vélins. 10 vélins là. Et euh, on a, on a eu une, une étincelle. Donc ça compte. Ok, Tous les 10 vélins, je veux une étincelle. Sinon, je casse tout. Sinon, je casse tout Bon, Je prends un mec. Je, je sors. Je prends un mec dans la rue. Je casse. Yep, Tiens, Gratuitement. C'est parti. Let's go. Let's go. Let's go. Merci pour le Twitch Prime. C'est la sub hype en même temps. Yo, Beretta. Bretta. C'était un ami, Baretta à une époque. Souvenez-vous de cette époque. Je vous parle d'un temps. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En ce temps-là, se faisait avec Barretta, euh, un sniper. Et là, là, on a eu trois étincelles en 20 vélins. Donc là, on est au-dessus des stats, ce qui est euh, intéressant, cela dit, ce qui nous régale. Et on aimerait continuer sur euh, sur cette lancée. On aimerait un petit écran noir, un petit fond du noir, qui voudrait dire que c'est un nat et que la bénédiction s'active et que j'ai genre le peintre, genre le peintre euh, feu. Oh, j'ai passé sans faire respect la sky sans faire respect le, la sky dancers. Ok, pour l'instant, euh, ah, fait quatre nates. Pour l'instant, je suis euh, plutôt mi figue mi raisin si je peux me permettre l'expression encore une fois, euh, parce que j'adore les figues, j'adore les raisins, mais euh, mais en entier et pas à moitié. Et là, c'est ce qui se passe, c'est que je me fais euh, mi homme, mi molette. Allez, ah, s'il te plaît, genre un petit, euh, petit zincnat. genre pour, euh, genre pour le, la hype de la mage et tout. T'as vu, genre. Euh... Genre, imagine genre le peintre 5 nattes là tout de suite non pas celui-là, c'est celui-là on va faire un petit ASMR comme ça va c'est bien tous ces amis j'espère que vous allez bien ouais. donc là on espère avoir un 5 natte et le 5 natte il va tomber euh, là tout de suite euh, dans les 5 vélins dans les 4 vélins qui suivent là il y a le... voilà il est là ça c'est le 5 natte je le sais j'ai vu dans un c'était pas celui-là c'était pas ce vélin non dans ma vision c'était le un vélin juste après en enfin celui-là exactement on est d'accord oui 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 ouais, ouais ouais je me souviens je me souviens que c'était pas ça c'était pas non c'était euh... ouais <rire> yes <rire> oh j'ai passé non c'était pas ouais <laughs> c'était pas celui que je voulais dire en fait c'est pas qu'est-ce que je me fais chier la gueule mais waouh imagine imagine j'ai aucun nades de la summon <laughs> non je rigole mais imagine quand même J'imagine, gros c'est pas possible, mesdames et messieurs, je, je, vais, faire, je vais parler comme ça jusqu'à la fin des, des vélins de feu, mais je suis, je suis en train de transpirer, il me reste 4 vélins, 3 vélins, littéralement euh, 2 vélins, j'ai littéralement des étincelles. pas ouais on <laughs> reste 34 ouvertures à faire je vais pas euh, je vais pas mentir que c'est pas la folie voilà en termes de d'ouverture là j'ai connu des jours meilleurs si je puis me permettre voilà après maintenant on va faire un peu de place Ok, 29, je vais me mettre, je vais me stacker au max. Voilà, 39. Allez, on y va, on se laisse comme ça. On se à 749. Euh, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 étincelles, mesdames et messieurs, sur 69 et 80, et 450. 150. 150. Euh, et on a eu, euh, comment j'ai dit euh, 12 étincelles. On est un peu en dessous des stats. Ouais, 12 sur 160. Ouais, 160, les gars, putain. Ouais, ça y... Ah, c'est coup dur C'est coup dur euh... C'est coup dur C'est coup dur, on y va. Les Dark and Night, j'y attends rien. Mais, euh, mais voilà, 19 vélins, si j'ai pas d'étincelles, c'est un peu frustrant. Ok. Et vous savez quoi vous savez quoi pour le retour de cette. Bah, franchement, c'est une mise à jour et tout. Vas-y, la famille, on est obligé de faire ça. Vous savez très bien ce que je vais faire. Deux lettres. j'arrive tout le monde se Quand j'arrive sur le dance floor, tout oh, oh. Sur le monde se met Let's go, les gars! Quand j'arrive bon. sur le dance floor, tout le monde se mise à l'aise. Oh, oh. Quand j'arrive dans le club, tout le monde se mise à l'aise. On met aucune pression, mais. Peut-être un seul, ça ferait plaisir. Quand j'arrive dans le club, tout le monde se mise à l'aise. Quand j'arrive sur le dance floor, tout le monde se mise à l'aise. Là-bas, je suis chaud! Yes. Oh. Tout le monde se met à l'aise. <laughs> Quand j'arrive sur le dance floor ouais. tout le monde se met à l'aise. <laughs> oh, oh c'est pas bien, hein. Quand j'arrive dans le club, tout le monde Je crois que j'ai dû les... J'ai dû les foudre tellement j'en ai eu les... Je, ouais je les ai foudre je crois. Ouais ah, je vais rien dire, je vais rien dire, non je vais rester, je vais rester calme. Voilà, elle doit être là. Tiens, Kitsune Dark. I am uh, without voix. <laughs> I am speechless. Ça, ah, c'est le, le contre-coup, là. Il euh... y a un mec qui a quand même dit dans le chat il a dit c'est compliqué d'avoir des 5 nats euh, light and dark si tu me paies pas. <laughs> Est-ce qu'il y a un mec qui, qui lui dit ou... <laughs> Est-ce qu'il y a un mec qui lui donne un peu l'info <laughs> Oui, il, il pas, il l'a pas. Il est venu sur mon chat en, mode de, en détente. Franchement, franchement, si tu payes pas dans le jeu, tu peux pas en avoir. <laughs> ah frérot. Ah gars, je t'aime beaucoup, mais... mais je pense que t'es pas l'argument à sortir ici. <laughs> si je peux me permettre. <laughs> non, parce que là, il y a le prix d'un Peugeot 5008 dans le jeu. Là, là franchement, avec ce que j'ai mis dans le jeu, j'achète une voiture neuve, hein, mon... mon frère. Donc, euh... non, mais il a voulu être gentil, je pense. Ouais, il, a voulu... il a voulu me rassurer, je pense. D'accord voulu me rassurer. Bon, ben plus besoin de musique. Là, on y va, on y va tel quel. Euh, C'est parti. On skip. Petite truie d'Halloween. Euh, bah, écoutez, on va voir moi les 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 euh, les amis, les amis, qu'est-ce qu'on rigole C'est de la bonne. Ouais, bah écoutez, <laughs> Zéros, maintenant, en gros, je l'invoque. En veut tu en voilà. Genre, c'est un frère, c'est ce que je veux dire. Ouais, je te jure. Il me nargue le man, il me nargue le mec. Bon, j'avais les deux, hein, évidemment. Vous l'avez compris. Vous l'avez euh, compris. Voleur fantôme. Très bien. Allez. Ça laisse un peu de suspense quand même. Oh, garro Très très bonne clope. Hein. Je vous la conseille. Ah là, ouais, là. Ouais, Chloé. Un mustard hein, vraiment jouer absolument partout. Euh... Ouais, ouais, ouais. Harmonie mutuelle. Qui régale. Putain, on a des étincelles tout le temps. On a de la chance. MDR. <coughs> Let's go. Let's go les gars. <laughs> c'est Honnêtement, je crois que c'est la summon la plus honteuse que j'ai faite. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une summon aussi honteuse de ma vie. La dernière que j'avais faite, j'avais plus de 500 vélins. La, la plus honteuse pour moi, c'est celle où j'avais plus de 500 vélins. Et j'ai eu un sac Nat et c'était Vélaguel. Et j'avais envie de... Franchement, j'avais envie de tout casser, je me souviens. Bon, allez-y, t'es quoi, il a plus de suspense. On n'y croit plus, plus personne n'y croit les gars, on est d'accord. On est d'accord. C'est ouf quand même. Je me dis, je me suis fait euh, me suis fait chier à la gueule euh, violemment sur cette humaine. Est-ce que je vais fondre en larmes Peut-être. Putain, <laughs> c'est ouf, frère. J'en ai eu un, j'en ai eu un, j'ai aucun des deux, j'ai aucun des deux, mais je vais, pas, je vais prendre Brandy, hein. je vais pas vous mentir que je vais pas aller à droite. <laughs> enfin, putain, les gars let's go, let's go Let's go les amis, let's go Bon, bah écoutez, je vais pas prendre Bael, parce qu'il euh, qu est, il est, il est, il est Klatax, euh, à moins qu'il ait été... Euh, il était up. Ah bon Bon, je suis dire, hein. Bah, il est stylé en vrai. Il est stylé, mais j'ai déjà un démon de son. Non, mais il est gros, personne veut le jouer, euh, bah, elle. Bah, le elle... procès de tous les pose des effets, de dégâts. Ah non, il a été up il y a pas longtemps. Euh. D'accord. Il a été up. Mais en vrai, à choisir, vaut mieux que je prenne Brandia, non Parce que bon, si vous me dites que c'est un RTA, etc. C'est ce qu'absorbe 10% des péchés 15 alliés pour attaquer tous les ennemis. Pour un période de l'insu, de leur jeu d'attaque tous les alliés. Ouais, Brandia. Brandia pour... Euh... Brandia, ouais, on est d'accord. Moi, je prendrais Brandia aussi. Allez, c'est parti. Ma deuxième, Ren Paulers. Bon, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Le up est anecdotique, mais Brandia pour Speed Team Fortress et Caviar. Magnifique. <laughs> Magnifique. Après... En plus du coup, est-ce que c'est pas mieux genre que je prenne euh... du coup vu que j'ai brandi brandia, est-ce que c'est pas pour le raid et tout ça, c'est vachement intéressant, je pense. Donc ça va être top. Après, je vous avoue que je suis quand même resté un peu sur ma faim. Voilà, je mens pas, je reste un peu sur ma faim parce que ouais, ouais, c'est vrai que euh, on a eu deux 5 Nats, dont un doublon qu'on a dû euh, qu'on a dû euh... zéro en plus. Hein. On avait en fait cinq Nats, après on était qui est dans, pas vraiment dans les stats, un peu en dessous. Euh, moi, ce qui me fout le démon, c'est surtout les Dark Knight. Dark Knight, j'ai eu deux étincelles, cela dit. Mais euh, vraiment des étincelles éclatées de ouf. Donc, euh, donc voilà quoi. Ouais, bah maintenant le BJ du coup dire ouais bof ouais bon écoutez euh, c'est si je me suis fait troll sur les Dark and Light. Après j'ai déjà un démon je pense que bah elle je l'aurais pas utilisé yeah, yeah, la yeah, yeah, peut-être l'utiliser ailleurs Et ça restera euh, toujours assez cool Bah écoutez ainsi s'achève cette Vodal euh, sur votre session Quand même un peu triste hein, on va pas se mentir Mais elle a le mérite d'exister. Et ça, c'est beau. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, me donner les avis sur la nouvelle malle. Si vous voulez toujours voir un peu plus de euh, de Summoners War, War, ça faisait très longtemps. Bah, N'hésitez pas à le dire aussi euh, dans les commentaires. Ce que vous voulez voir aussi, soit du GVG, je ne sais pas, ce que vous voulez. N'hésitez pas à le dire. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Salut!